Les fatalities de Sub-Zero ne manquent pas de brutalité, et parmi toutes celles qu'il exécute sur ses malheureuses victimes, j'ai décidé de me concentrer sur cette partie. Ensemble, on parlera de ce qui serait possible dans notre monde et qui nous ferait nous rapprocher un peu plus du monde gore qu'est Mortal Kombat. Est-ce possible d'être gelé aussi rapidement que dans le jeu? À quel point faudrait-il être glacé pour être aussi fragile qu'un vase? Et quelle force faudrait-il pour faire voler en mille éclats la victime? Dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture, je vous invite à découvrir la fatality de Sub-Zero. En vrai, ça donne quoi? Main dite sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors, dans ce tuto de comment effectuer la fatality de Sub-Zero à la maison, il vous faudra de l'azote liquide. Ça, c'est si vous voulez très mal finir, bien évidemment, je vous déconseille fortement d'utiliser vous-même de l'azote liquide, et vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, l'azote n'est pas dangereux en soi. D'ailleurs, l'air qu'on respire est principalement constitué d'azote. 78% pour seulement environ 20% d'oxygène. Mais ce qui le rend dangereux, c'est surtout le pouvoir réfrigérant qu'il a lorsqu'il est réduit à l'état liquide. Et il le devient quand on le refroidit à moins 196 degrés Celsius. Et si la température ambiante est plus chaude, le liquide redeviendra progressivement gazeux, ce qui explique toute cette fumée qu'on voit lorsqu'il est manipulé. Alors ne pensez pas que l'azote liquide est comestible, hein? Quand on l'utilise pour cuisiner, l'azote liquide ne sert qu'à refroidir les ingrédients. Et ce n'est que lorsque l'azote est complètement évaporé qu'on peut alors manger le plat sans problème. Le moyen le plus rapide de congeler un objet est en utilisant donc l'azote liquide. Et pour vous expliquer comment Sub-Zero pourrait congeler ses ennemis dans la vraie vie, je vous invite à venir manger une glace. Chez le marchand de glace le plus cool au monde qui s'appelle Sub-Zero. Alors que d'habitude la glace est faite via un système de congélation plus traditionnel, chez eux, ils mixeront la crème à de l'azote liquide. Au-delà du fait que c'est hyper cool à voir, l'intérêt de congeler une glace à de l'azote liquide est la vitesse de congélation. Dans le cas de la crème glacée, la vitesse de congélation est importante parce que plus elle est lente et plus les cristaux de glace qui se créeront pendant le processus seront grands et désagréables en bouche. A l'inverse, plus c'est rapide, plus ils seront petits, ce qui permettra à la texture d'être plus crémeuse que ce qu'on trouve habituellement. Chez le marchand de glace Sub-Zero, ils ont poussé le délire encore plus loin, en faisant des mini-boules plongées dans la substance chimique, qui donne l'impression à ceux qui en mangent de se prendre pour des dragons pendant quelques secondes. Ok, donc l'azote liquide, on a compris. Et maintenant, vous vous dites que pour congeler sa victime, comme dans le jeu Mortal Kombat, il suffirait de l'arroser à l'azote liquide et en quelques secondes, le tour sera joué. Mais non, ça ne marcherait pas. D'ailleurs, un youtubeur a fait l'expérience de se balancer de l'azote liquide directement au visage. Non mais ça va pas la tête. Ouais, clairement là, fallait oser. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, son visage ne s'est pas transformé en marcheur blanc. Non, en fait, rien de spécial ne s'est passé. Et ça s'explique principalement pour deux raisons. La première est qu'il faut du temps. Tout comme pour chauffer ta pizza au four, congeler un objet ou un aliment prend du temps. Et même s'il est vrai que l'azote liquide congèle bien plus rapidement qu'un congélateur, faut quand même le conserver à l'état liquide, et donc plonger l'objet à l'intérieur. Balancer à la figure, c'est tout de suite moins efficace. Deuxièmement, on l'a vu, l'azote se mettra à bouillir et à s'évaporer dès qu'il sera exposé à une température plus chaude que moins 196 degrés Celsius. Et cette ébullition créera une couche d'azote gazeux en dessous de l'azote liquide pendant quelques secondes, ce qui ralentira pas mal le processus de réfrigération. Et je dis bien quelques secondes. Au-delà, le liquide entre directement en contact avec la peau et regardez ce qu'une mini-goutte fait à la peau de cette personne. Mais alors, à combien de temps peut-on s'attendre pour pouvoir congeler quelque chose aussi rapidement que dans le jeu? Bien sûr, ça dépendra de la taille de l'objet. Mais si on part sur quelque chose d'à peu près similaire au jeu, alors on devra patienter environ 5 à 10 minutes pour transformer une tête en boule de glace. Ce qui est très loin du temps que ça prend dans le jeu, mais ça reste quand même super impressionnant. La question à se poser maintenant, c'est de savoir si, comme dans le jeu, le fait de glacer complètement une chose organique permettrait de l'éclater en mille morceaux et avoir le même sort que cette pauvre pastèque. À moins 196 degrés Celsius, les matières organiques qui sont habituellement flexibles, comme un poivron ou une orange, deviennent très fragiles. Dans le cas du corps humain, parce que notre corps est composé à environ 60% d'eau, on imagine très bien que les dégâts seraient pour le coup tout aussi impressionnants que dans le jeu. Et pourtant, bizarrement, quelques tests, comme celui-ci, ont montré que les tissus se cassent en morceaux, mais pas autant que ce qu'on pourrait penser. Peut-être que dans le cas du jeu vidéo, le secret réside dans la force de Sub-Zero. Que ce soit dans les jeux vidéo, les mangas ou autres, il y a toujours une part de magie illogique et impossible à expliquer dans notre monde. Mais si le secret réside dans la puissance du coup, même à 60% d'eau, on peut alors imaginer qu'avec beaucoup plus de puissance à l'impact, le résultat ne serait vraiment pas si loin de Sub-Zero. Je vous rassure, une fois gelée, la pauvre victime serait déjà inconsciente depuis bien longtemps. Contrairement à la grenouille des bois. Un truc dont j'aurais voulu vous parler dans un prochain Animaux versus Humains, mais l'info est tellement ouf que j'ai pas pu m'empêcher de vous la mettre dans cette vidéo. La grenouille des bois est capable de rester congelée pendant tout l'hiver, ses yeux compris, et même son cœur s'arrête de battre. Et ce n'est que quelques mois plus tard, au printemps, qu'elle reviendra littéralement à la vie, en fondant
progressivement. Son cœur se remettra à battre et son sang à circuler, elle recommencera à respirer et à retrouver son rythme cardiaque et une activité cérébrale normale. Son secret ? Son foie. Pour faire simple, son foie injecte dans ses cellules du glucose qui est un antigel naturel et malgré ça, c'est 70% de l'eau de son corps qui sera changée en glace. Mais ses cellules étant protégées, elle pourra revenir à la vie lorsque la glace aura complètement fondu. Incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les humains essayent de la copier, sauf qu'on n'a toujours pas trouvé le moyen de se décongeler et de revenir à la vie. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est ce qu'on appelle la cryogénisation. On place les corps à moins 196 degrés Celsius en espérant qu'un jour on puisse les faire revenir à la vie. Alors les personnes ne le font pas par plaisir ou pour voir à quoi le futur pourrait ressembler, hein. Mais ce genre d'option est pensé surtout pour les personnes aux maladies incurables qui comptent sur les technologies du futur pour pouvoir trouver des solutions. Et bien que ça fasse rêver, la cryogénisation est loin d'être maîtrisée et le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est congeler que quelques cellules sans les endommager, c'est-à-dire sans que des cristaux ne s'y forment. Donc, un corps entier, on en est loin. Ce qui pour l'instant place la technologie plus proche de la fiction que de la science. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Celle-ci a été réalisée en m'inspirant de l'excellente mais défunte chaîne Because Science, qui a aussi abordé le sujet de la fatality de Sub-Zero. Je vous mets le lien en description. Et si vous aimez les sciences versus pop culture, je vous invite fortement à découvrir la dernière vidéo que j'ai faite sur le sabre laser de Star Wars. Est-ce qu'il pourrait exister en vrai et qu'est-ce que ça ferait de s'en prendre un coup? C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace!